derrière vos lignes. C'est dans 3, 2, 1, go! La phase autonome débute. C'est raté pour 39-75. Des deux côtés, on envoie surtout au Upper Hub. Plus que 5 secondes sur cette phase autonome. Égalité sur cette phase autonome. Drivers take control. ...54-39 semble accroché sur le premier barreau. Suspense de ce côté. Pendant ce temps, l'égalité se maintient assez près avec 114 secondes restantes. Upper Hub for the blue. The blue team now has the lead. 100 seconds left. Et c'est raté pour le bleu ici. Une entraide de 33-60 à 54-39 qui est maintenant dépoignée. Et on en va dans le Upper Hub. Il semble y avoir une tension entre bleu et rouge au hangar rouge. Pendant ce temps, les bleus mènent toujours 21 à 16. Le retard sera-t-il rattrapé? Probablement. Parce qu'il reste plus d'une minute, mesdames et messieurs. Encore du temps pour les deux équipes. Le score est serré, 21 à 18. Les Bleus envoient une multitude de points sur le Upper Hub. Auront-ils le cargo bonus? Upper Hub pour le Blue Team here. Plus que 9 points pour les Bleus afin qu'ils atteignent le bonus cargo. Les Rouges ne sont pas loin derrière avec un score de 22. Oui. 54-39 sur le Lower Hub. 33-60 commence déjà la tension. L'ascension jusqu'au l'avant-dernier barreau sera-t-il au traversal? Pendant ce temps, 39-86 s'est rendu également à l'avant-dernier barreau. Traversal pour le 33-60. ...35-44, 54-39 viennent contribuer, mais le temps est écoulé. C'est terminé. Avec un score de 41, très 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 serré, avec les rouges déçus dans la salle. 39-86, 39-75, 74-71 se méritent deux PC.